Salut, salut et bienvenue dans le premier weekly vlog de 2022. Donc là, il est 11h20 et j'attends les filles pour faire Noël avec elles. Alors avec cette tête-là, hein, parce que hier on est rentré à 4h30 au matin. Voilà, je suis en route depuis 8h30 au matin. Je n'en peux plus, je suis crevée. Donc je vais vous montrer un peu ma table. Voilà, il n'y a rien de spécial. On fait une raclette, apéro et raclette. Voilà le dessert que j'ai fait moi-même. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai un petit peu quand les filles sont là aussi. Mais bon, comme nos messieurs ne veulent pas être sur les réseaux, il y a un poil là. Là, juste là. Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. De toute façon, on ne voit pas pour se filmer, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Donc là, je vais juste vous montrer parce que je suis assez fière de mon petit centre de table que j'ai fait avec totalement de la récup. Et je vous reprendrai après. Je vais terminer. Hein. Je vous reprendrai après pour quand les filles seront là. Voilà, pour papoter un peu, pour faire un petit coucou avec elles. Et nous, on entamera le vlog normal à partir de demain parce que je suis crevée. Donc voilà ma table. Alors le plateau là-bas n'a rien, ne doit pas rester. Ah, j'ai oublié de mettre mes housses de coussin, de chaise. Je vous montrerai après. Chérie doit m'essayer son pantalon là. Et voilà, j'ai récupéré donc le plateau en bois chez mes beaux-parents qu'il avait eu dans un cadeau. Ça, j'ai récupéré chez mon frère hier, ça aussi. Ça, c'était de l'ancienne déco, ça aussi, ça aussi. La bougie qu'il avait eu au boulot. Et voilà, là-bas, il y a un petit pingu. Et je trouve ça assez joli. Voilà, c'est pas une décoration de foufou, mais écoutez, hein. Là c'est ma place. Voyez, il y a une tasse de Noël, tous les verres à vin et tout ça. Et moi, c'est une tasse. Coucou, regardez qui c'est qui est là. Toujours les mêmes, bah oui, t'en vas, toi, hein. Par principe, les Josette l'incruste. On est en train de fêter Noël. C'est elle, la crustacée, qui s'est invitée. Oui, c'est vrai, toi, je t'ai invité toi, mais bon, elle, ouais. Bon, écoute, on va la laisser dans son coin. Voilà, donc on est en train de fêter. Viens plus près, toi. Oui, j'arrive, voilà. On vient de fêter. On est en train de fêter notre petit réveillon entre nous, entre sœurs. Voilà, c'est vraiment ça. On va aller voir si les hommes ont mis chauffer la raclette. Comme ça, on peut passer à table. Quand pas, non. Ça, il écoute quand même ce que je dis de temps en temps. Bon, bah aujourd'hui, il n'a pas l'air. Non, j'avoue. Bon, on n'est pas prêt de bouffer, quoi, en fait. Mon avis, on mangera peut-être pour ce soir. Oui. J'ai pas mal de route, hein, moi. Tant pis. C'est la première fois que tu viens, c'est Noël. On a le temps. Ouais, vous, tu travailles pas demain? Non, non, je suis congé. Voilà, Nico travaille pas demain. Eh ben voilà. Oh, toi non plus, tu fous rien, toi. Moi, je fous rien. On n'a pas de vie, nous. Comparé à Manon qui a une vie de ministre, hein, nous. Donc voilà, bah écoutez, moi pour aujourd'hui, le vlog, on va le clôturer là parce que je veux profiter des filles, tout simplement. Et de toute façon, on continue. J'ai pas mes cheveux détachés cette fois-ci, donc je le fais pas. Attends. Tu veux essayer si le mauve, ça te va? Non. Non. Bon, par contre, j'ai toujours les racines bleues. Voilà, donc allez, on vous fait des bisous et nous, on va profiter ensemble. Bisous. Je le laisse. Alors, il est 10h37, il est tard, je vous prends tard, mais j'ai déjà pas arrêté, j'ai rangé un peu tout mon bordel d'hier. Voilà, les filles sont reparties assez tard. Je suis contente parce qu'on a passé une super journée ensemble, comme d'hab, à chaque fois qu'on se voit. Mais c'était la première fois qu'elles venaient toutes les deux à la maison. Je suis coincée. Donc là, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. J'avais rien de spécial à vous dire, je crois. Attendez, je prépare quand même ma petite liste. Aujourd'hui, je me fais une journée repos. Voilà, parce que je suis explosée. Avant-hier, on est rentré à 4h30 au matin. J'étais debout à 8h. À 8h30, j'étais déjà en route pour hier. Donc, je suis complètement explosée. Voilà, totalement explosée. Et je vous ai pas dit aussi, mais le vaccin, waouh, les douleurs. Les douleurs. On n'était pas bien avec chérie. On a eu un petit peu l'état grippal, mais sans plus. On n'avait pas de fièvre, rien. Mais alors, j'ai eu la piqûre dans le bras, j'avais mal au cul. Voilà, faut m'expliquer. J'avais les muscles du bas du corps, une douleur pas possible.
les jambes, les fesses. J'avais l'impression d'avoir fait des squats pendant 3 jours de suite. Mais voilà. Donc aujourd'hui, journée repos. Je vais me faire une petite journée cocooning, gommage, masque, épilation des oursailles parce que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc, alors, d'abord, chérie. Cadeau de chérie. Cadeau autoproclamé. En fait, on avait acheté plein de coffrets Adopt pour à peu près tout le monde. Et il y en a un sur lequel j'avais craqué et que j'ai changé d'avis. J'ai pas offert, je l'ai gardé pour moi. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui à la rose noire. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui sent bon. Donc, vous avez dedans une eau de parfum de 30 ml plus la bougie. Mais oh, ça sent trop. Voilà, donc je me suis gardée pour moi et j'ai dit à chérie, ben, ça sera ton cadeau. Voilà. Ensuite, on a été chez mes beaux-parents et de la part de mes beaux-parents et ma belle-sœur, j'ai reçu mon bracelet Pandora que j'ai bien sûr mis à mon bras direct. Donc, c'est celui avec la petite couronne. Hop là. Voilà, il est trop beau et j'ai enfin pu remettre mes breloques. Il manque ma licorne, mais alors je l'ai rangée chez Bio. Quand j'ai acheté les colliers Queen de votre part, j'ai dit je mets mon collier infini et ma breloque licorne, ma chaîne licorne dedans, dans le pochon, et je range le pochon, mais je sais plus où. Donc, il faut que je cherche. J'ai la flemme. Et ma belle-sœur a fait un cadeau de la part de du petit, hein, qui va avoir 2 ans fin de cette semaine. Et regardez ce que j'ai eu. Une tasse. Oh, c'est trop mignon. Il était tout fier avec son petit cadeau et tout, j'adore. Donc là, j'avais laissé emballer exprès parce que c'est vraiment tout le cadeau, quoi. Donc, mais je vais m'en servir. Voilà, j'adore. Alors, ensuite, chez mon frère, donc là, j'ai eu un cadeau de la part de mon frère et ma mère. Incroyable, mais vrai. Alors, je suis totalement déçue. De la part de mon frère et de ma belle-sœur, j'ai reçu ceci. Voilà. Alors, c'est beau, hein, mais c'est totalement pas le genre de truc que j'utilise. Déjà, c'est des teintes que j'utilise absolument pas. C'est une qualité que j'utilise pas non plus. Enfin, c'est vraiment le genre de truc que j'utilise pas du tout, quoi. Donc, je pense que ça finira sur Vinted. Oups. Mais voilà. Je peux rien en faire. Donc, je l'utiliserai pas. Je sais que j'utiliserai pas. Donc, je l'ouvre même pas. Ma belle-sœur m'a demandé, t'es contente? Oui. Mais bon, c'est comme je lui ai dit, m'offrir du make-up à moi, si on s'y connaît pas et qu'on suit pas mes vidéos et tout ça, c'est franchement délicat, quoi. Limite, une carte cadeau, ça aurait été plus mieux. Mais voilà. Cadeau de ma mère. Oui, j'ai eu un cadeau de ma mère. J'ai eu des boucles d'oreilles Guess. Alors, elles sont magnifiques, hein. Mais ça fait 10 ans que j'ai pas mis de boucles d'oreilles. Donc, je vais pas trop m'en servir, donc. Voilà, donc j'étais déçue. J'ai dit à ma mère, je ne mets plus de boucle d'oreille depuis très longtemps. Et j'ai dit, ouais, j'ai dit que cache à ma belle-sœur, voilà, c'est gentil. Hein, après, c'est voilà, m'offrir du make-up à moi, si tu ne sais pas ce que je veux, c'est compliqué avec le stock que j'ai en haut. Hein, mais bon, au pire, je mettrai sur Vinted et je m'achèterai quelque chose qui m'intéresse plus avec ça. Alors, ensuite, ils ont organisé, ça c'était génial, ils ont organisé une tombola de cadeaux. Donc, voilà, c'était un petit jeu avec des cartes. Et si vous aviez des as, vous pouviez tirer une étiquette pour aller chercher votre cadeau. C'était toutes des conneries, mais c'était génial. Donc, ça c'est de la part de ma filleule. J'ai eu une bougie senteur des bois héroïque. Voilà. Elles sont super bonnes et le petit pot est très joli. Donc, j'étais bien contente. Alors, vous pouviez, lors de la tombola, échanger si votre cadeau ne vous plaisait pas avec quelqu'un d'autre, qu'il y avait un cadeau qui vous intéressait plus et tout ça. Nous, on a distribué, il y a des trucs qu'on a eus qui étaient pour les gosses, j'ai donné aux gosses. Voilà, on n'a pas fait d'échange. Après, on est reparti avec pas mal de trucs parce que mon frère m'a donné beaucoup de choses, mon autre frère. Alors, j'ai
mon stock d'accessoires cheveux. Donc là, j'ai partagé avec ma belle-sœur. J'ai eu des élastiques, donc on a fait moite-moite puisqu'elle en avait plus. Et moi, comme je les ai trouvés assez gros, bon, c'est chez Action, hein, c'est pas... Et des petites pinces pour les cheveux, comme ça. Donc ça, j'utilise encore assez souvent. Et pareil, j'achète celles de chez Action aussi, mais elles tiennent pas très longtemps. C'est pour ça que c'est bien qu'il y en ait plusieurs. Hop là. J'ai reçu des petites sous de verre ou de bougies pour le pain et tout ça en carton, hein, mais voilà, pour les fêtes. C'est très bien, et pour faire quelques petits bricolages ou des trucs comme ça, moi j'adore. J'ai eu un baffle Bluetooth. Voilà. Chérie, on a eu là aussi. Attendez, je le chope. Il en a eu ça, c'est Little Marcel. Voilà, il est très beau. Il a eu une éponge pour nettoyer l'intérieur de la voiture. Et j'ai eu une savonnette Cadom à l'huile d'amande douce bio. Donc, autant vous dire que pour nettoyer mes pinceaux, c'est génial. Donc voilà, moi j'ai trouvé le principe. Franchement, on s'est éclaté avec ça. C'était très, 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 très top. Ah, et j'ai eu un tapis de souris LED. Voilà. Mon frère est là, il dit « Oh, je le voulais !» Bah tant pis, c'est moi qui l'ai eu. Donc je vais pouvoir le mettre sur mon bureau quand j'aurai rangé tout mon bazar. Parce que là, il y a beaucoup de bazar. Donc le cadeau de les cadeaux de Marie, c'est parce que j'ai eu deux cadeaux de la part de Marie. Je vous les avais montrés. J'avais eu la palette Pat Mangouas avec mon tableau qu'elle m'a fait avec mon portrait. Ça, je vous avais montré en vlog. Le deuxième, elle m'a envoyé ceci. Je vous montre parce que je l'ai juste là à portée de main. Voilà, qui s'allume. Donc hier, je l'ai allumé quand les filles sont venues. C'était trop beau. Et des pralines fait maison. Voilà, ça c'était de la part de Maryse. Et vous avez déjà eu le swatch and make-up de sa palette, donc je vous la remets en barre d'infos. Et hier, les filles sont venues. Et bien sûr, même quand c'était déjà fait les cadeaux de Noël avec les swaps, donc je vous remets les swaps, le déballage du swap en barre d'infos, on a quand même eu encore un petit cadeau. Donc j'ai eu de la part d'Emmy une carte cadeau de 20 euros chez Boozy Shop. Donc autant vous dire qu'à peine elle était partie, ma commande était validée. Donc ça vous verrez en haul. Et une petite déco qui vient d'Alsace, qu'elle avait acheté pour nous en Alsace, au marché de Noël en Alsace. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre. Alors il y a juste la bougie qui délire un peu. Je vais essayer de regarder si j'ai encore une pile. Mais vous voyez, la bougie, ça ne lui plus. Mais, ou alors, je mettrais une vraie. Hein. Mais voilà, je trouve ça trop beau. Donc, je pense qu'il ira en fond de vidéo l'année prochaine. Donc, merci, ma petite Mimi. Alors, de la part de Manon, j'ai eu plusieurs choses. On a reçu, parce que Evie a eu la même chose, un kit de 4 mini baumes démaquillants. Alors, je ne connaissais pas du tout la marque. C'est Vanilla Co. Et franchement, j'ai trouvé le principe super. À ce moment, avec les filles, on est à fond dans les baumes démaquillants. Donc, ça tombe bien. Donc, vous avez les 4 mini pour tester, pour savoir lequel vous préférez. C'est génial. Il y en a un, c'est nourrissant, purifiant, revitalisant et l'original qui est le rose. Donc, bon, pour l'instant, j'ai le LF que je viens d'entamer. Et j'ai testé le Beauty Bay. Foncez. Si vous le voulez, foncez. Je ne me suis jamais démaquillée aussi vite. Il est mieux que le LF. Je préfère l'odeur du ELF, mais celui-là était mieux. J'ai eu une petite paire de patchs comme ça de chez Essence. Donc ceux-là, je les voulais. En plus, je voulais les tester. Donc bah, je vais les faire tout à l'heure. J'ai eu un backup de la poudre Chic Lame. Voilà, c'est génial. J'ai eu un petit baume pour les lèvres, ça vient de chez Primark, Sugar Pumpkin Spice et Cinnamon. Mon Dieu, je l'ai senti hier. Ça sent la cannelle. On sent plus la cannelle que le pumpkin, mais j'adore. Tout à fait de saison. Donc là, je vais le laisser là. Je vais m'en servir maintenant. Oui, j'ouvre beaucoup de baumes à lèvres. On est d'accord.
Je lui avais dit que je voulais lui racheter un mini Better Than Sex parce que ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Elle me l'a offert. Et pour terminer, attendez, j'ai vérifié. J'ai eu le crayon Super Stay In crayon de chez Maybelline. Donc ça, je voulais les tester. En plus, elle ne savait pas. Elle était toute contente. Elle les adore. Hein. Donc j'ai eu celui-ci en teinte. C'est Rich ou Peach ? Je ne sais plus lire maintenant. Rich Eye, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est un nude marronné. Je l'ai swatché hier et j'aime beaucoup la teinte. Donc j'ai hâte de tester. Et il sent divinement bon. Donc ça, j'ai hâte de tester. Voilà. Alors, dernier petit truc. J'avais demandé à Manon. Elle a été chez Aldi et elle m'avait ramené le calendrier de l'Avent Matte Beauty de la Fée Clochette. Attendez, je bois un coup parce qu'à force de causer. Donc ils étaient à 10 euros chez Aldi, il y avait Mini ou Clochette. Le Clochette, je l'avais vu sur Maki Beauty, mais il était plus cher. Alors elle les a vus sur Vinted. Ils étaient à 10 euros chez Aldi. Elle les a vus à 25 euros sur Vinted. Quoi. Les gens abusent. Donc moi j'ai tout ouvert. Je vais vous montrer d'abord ce que je vais mettre pour vous dans les lots du concours de Noël. L'année prochaine pour moi, qui est fin d'année, pour vous, vous voyez, ça passe, hein, il n'y a plus beaucoup à attendre. Donc, il y avait déjà deux limes à ongles. Moi, je ne les utiliserai pas. Donc, mais comme elles sont toutes kiki, toutes mignonnes, je vous en mettrai une dans chaque lot. Il y avait des bombes de bain. Alors, l'odeur, ça sent divinement bon. Donc là, pareil, je vous en mettrai une dans chaque lot parce que c'était tout en double. C'est ça qui était dommage dans ce calendrier, c'est que presque tout... C'était qu'un 12 jours, c'est comme elle disait, c'est qu'un 12 jours et il mettait presque tout en double. Hein. Donc là, ça fait déjà deux produits en double. Et le troisième qui sera pour vous, le reste je garde hein, quand même. Parce que là, ça en fait déjà 6 sur 12, donc ça fait la moitié. C'est des sels de bain. Voilà, toujours pareil, même odeur. Et ça sent vraiment bon. Franchement, l'odeur est à tomber. Donc pour moi, je garde les deux baumes à lèvres. Qui ont la même odeur que le truc. Voilà. Ah, il y avait une fleur de douche aussi que j'ai donnée à la copine d'Enzo. La crème pour les mains. Voilà. Le packaging est somptueux. C'était plus pour ça hein, qui m'intéressait. Hein. Et enfin, il y avait un mini gel douche et un mini, une mini body lotion. Je vais y arriver, hein. Donc bah, je les garde aussi, hein, je vais les tester. Donc voilà, j'étais très contente de ce petit truc et ça vous fait trois petits trucs en plus dans le lot des concours. Et voilà pour mes cadeaux de Noël. Donc maintenant je vais pouvoir tout ranger parce que c'était un bordel sans nom. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire spécialement aujourd'hui. Là, je vais faire vraiment... je vais faire mes soins. Il faut que j'ave mes pinceaux, absolument. Je crois que je vais commencer par ça et faire mes soins. Quoique je peux les laver tant que mes masques ils posent. Parce que je vais faire le masque Victoria's Secret. Et je vais faire un en crème. Parce que j'essaie de les utiliser quand même de temps en temps. Je préfère les cheat masks. Mais là, ma peau a vraiment besoin d'hydratation. Hier, c'était no make-up, rien, parce que j'étais épuisée, franchement épuisée. Et demain, je vais tourner la dernière vidéo de l'année pour moi, donc que vous avez déjà eu, qui sera un full face et que je vais utiliser la palette de Maryse. Voilà. Donc, sur ce, on peut switcher deux jours. Alors, il est 10h01. Je vous ai pas repris hier parce que... Voilà, je suis malade, hein. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Et encore, ça va. Je suis un peu moins blanche qu'en vrai. Hier, j'ai eu une insomnie impossible de dormir. J'ai été me coucher à 4h30 au matin, je crois, parce que j'arrivais pas à dormir, tout simplement. J'étais crevée, mais j'arrivais pas à dormir. Et la journée, j'ai attrapé mal la tête. Je me suis brûlée. Avec le poil à pelée. Voilà, j'ai bien mal. En regardant s'il y avait encore des pelets à l'intérieur, je me suis cramée. J'ai pas réussi à faire de sieste non plus. Parce que quand j'ai été me coucher, j'avais mal à ma brûlure. Et du coup,
Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, malgré ça, j'ai le téléphone gazonné. Et j'ai passé cette nuit à gerber mes tripes. Voilà, donc je suis explosée. Deux nuits sans dormir, j'ai encore un peu mal à la tête. Là, je suis en train d'être tentée de boire un café dans ma magnifique tasse tatar que j'ai reçue à Noël. Voilà. Mais je sais pas ce que va donner cette journée. Je pense que je voulais filmer mes deux vidéos un peu de la première semaine de janvier là. On va clairement pas faire ça. J'ai des barres d'infos à faire. Je vais faire ça, je pense. Une miniature. Voilà, ce vlog va être extrêmement chiant. Le dernier de l'année. Enfin, le premier pour vous, mais c'est le dernier que je filme courant de l'année. Ça va être extrêmement chiant. J'espère que ça ira mieux pour vendredi. Bon, après, on fait rien. Donc, si on est à la maison, entre nous. Ouais. Si jamais je suis pas bien, je peux dormir dans le canapé, quoi. Mais ça m'emmerde. Voilà, j'aime pas être malade. C'est un truc que j'ai horreur. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Hier, j'ai reçu ma commande Bousy Shop que j'ai fait avec la carte cadeau d'Emmy. Donc, je vous montrerai ça dans le hall quand j'aurai tout reçu. J'ai reçu un colis Vinted. L'autre arrive aujourd'hui. Je sais pas si Chérie arrivera à aller le chercher aujourd'hui. Et il ne manque plus que ma commande Beauty Bay et Glisten. Mon Glisten, clairement, quand il arrive, on fera les swatchs. Parce que je pourrais pas attendre le haul, hein, mais on fera les swatchs entre nous d'abord. Ouais, il me manque plus que ça quand même. Attendez, je vérifie. Moi, bon, j'ai des petites commandes AliExpress, mais elles sont pas prêtes d'arriver. Glisten, Beauty Bay et Vinted, ouais. Après, je pourrais filmer le haul. Mais là, aujourd'hui, ça va être repos. Je suis blanche comme un cul. Hein. Vous voyez pas, mais je suis blanche comme un cul, je vous jure. Donc, le vlog, déjà, que j'ai zappé un jour, qu'aujourd'hui, c'est pas la forme, il va être un peu court et pas fourni. Hein. Mais bon, c'est les joies des vlogs. Hein. Quand je suis malade. Vous êtes malade avec moi, vous êtes punis. Voilà. Donc là, je vais donner manger au chien. Je vais plier mon linge qui est sec. Faire ma barre d'infos. Je pense que je vais redormir. Je vais quand même attendre voir si le facteur m'amène quelque chose. Vu que de toute façon, Vinted, j'arrive d'aller chercher. Beauty Bay Glisten, ça vient par le facteur. Ah non, Glisten, il me semble que c'est un livreur. Je ne sais plus. Enfin bon, je pense que je vais me taper dans le canapé. Regardez, je sais pas quoi, mais regardez quelque chose sur Netflix, je pense, ou à la télé, je sais pas. Alors, ouais, je me fous dans le canapé plutôt, je ferai ça après. J'ai mal quand j'ai vomi la première fois hier soir. Je croyais que c'était une crise de migraine au départ parce que ça m'arrive souvent. Enfin, je suis migraineuse donc j'ai l'habitude, mais c'est assez rare que j'aille jusqu'au vomissement. Mais une fois que j'ai vomi, c'est passé. Mon mal de crâne s'est calmé. Et ça, en principe, c'est signe de migraine. Mais après, j'ai commencé à attraper mal dans le dos et dans les jambes. Un truc de fou, quoi. Et j'ai encore mal. Et puis après, j'ai encore gerbé. Donc, c'était pas la migraine, puisqu'après, j'avais presque plus mal à la tête. Enfin, bref. Vous en foutez des détails. Hein. Voilà, bah écoutez, là, je vais vous laisser là. Sauf si jamais je reçois Glisten, à ce moment-là, je vous montre. Oh, j'ai mal au ventre aussi. Oh. Je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Ouais, je suis au bord de la mort là. Je suis à l'article de la mort. Donc je vais me mettre au chaud dans le canapé. Et ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc j'espère que demain ça ira un petit peu mieux. De toute façon, le vlog sera pas très fourni. Hein, je vous le dis clairement parce que comme on fait rien à Nouvel An, il n'y aura pas de 4 lundis. L'apéro, ce sera juste un apéro dînatoire avec chips. Chips, saucisson, fromage et quelques petites bouchées chaudes qu'on fera au fur et à mesure. Donc, j'ai rien à vous montrer d'intéressant cette semaine. Si ça va pas mieux, il n'y en aura peut-être pas la semaine prochaine. Je ne sais pas. On verra comment ça va demain et vendredi. Mais là, je suis vraiment mal. Très mal. Je n'aime pas être dans cet état-là. Bon, allez, sur ce, on se dit deux jours. De toute façon, je vous reprendrai au moins pour vous souhaiter la bonne année. Alors, il est
10h32 et que vous pouvez le voir, ça va mieux. Hein, j'ai réussi à filmer déjà une vidéo. Donc là, j'ai tourné la vidéo avec où je me maquille avec vos favoris. J'ai fait une superbe découverte. Donc vous verrez ça mercredi. J'en profite, je vais vous donner le planning tout de suite. Donc mercredi, make-up avec vos favoris. Vendredi, la rotation. Et dimanche, le weekly vlog. Il y aura le haul beauté aussi quand j'aurai tout reçu. Beauty Bay bouge enfin. Il est enfin pris en charge par DPD, donc il était temps. Donc je pense que je l'aurai, je pense pas avant lundi. Demain, ça m'étonnerait, mais au moins lundi ou mardi. Et Glisten que j'attends toujours. Donc voilà, chérie va me chercher ma deuxième commande Vinted aujourd'hui. Donc il me manque que Beauty Bay et Glisten pour vous tourner le haul. On se fera un crash test fin du mois, je ne sais pas encore exactement quand. J'ai trop de vidéos prévues, encore une fois. Là, j'en ai pas mis lundi. Je voulais vous mettre le crash test, le swatch and make-up She Glam de la Virgo. Mais finalement, je la mettrai lundi d'après parce que j'ai besoin de repos. Tout simplement, là, les deux nuits que j'ai passées, ça a été un enfer. Hier, je suis montée me coucher à 9h30. Voilà, j'ai dormi toute la journée et j'ai été me coucher à 9h30. Et je me suis levée à 5h30 ce matin, donc là ça sent clairement la sieste. J'adore mon teint. Ça sent clairement la sieste. Là j'attends le facteur pour aller tourner ma rotation. Donc oui, je vais enchaîner les deux vidéos. J'ai remis mon pilou-pilou en attendant parce que je suis complètement gelée. Là le facteur. Et voilà, sinon j'avais rien d'autre à vous dire. Donc le vlog va être vraiment très court, mais... Voilà, une journée sans filmer, une journée être malade, bah forcément ça raccourcit, mais bon, écoutez, c'est comme ça que ça se passe, hein. On vit ensemble, donc quand je suis malade, bah, comme je vous l'ai dit, vous êtes punis, hein, vous avez moins de contenu, un peu comme tout le monde, là aujourd'hui ça va mieux, donc je suis contente, je suis encore un peu barbouillée, mais grosso merdo, ça va mieux, quoi, voilà, au moins je fais plus de vomito, et par contre Enzo a regerbé cette nuit. Donc je pense que c'est un truc qu'on a mangé qui n'est pas passé et qu'hier il a exagéré à manger le soir. Et que c'est ça qui l'a fait vomir parce que moi je sens que je suis encore un peu barbouillée et que je dois manger léger quoi. Si je mange trop gras ou trop lourd, je sens que je vais être malade. Le café passe, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Hier j'ai bu un café le soir seulement. J'ai pas su boire de café de l'agent. Là le facteur je crois. Et le chien reconnaît la voiture. Donc écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, sauf si jamais j'aurai ma commande Glisten. Alors à ce moment-là, on fait les swatchs directs. Mais sinon, ben si. Parce... Ah oui, j'ai commencé à enlever ma déco de Noël. Là, j'attends que monsieur rentre ce soir pour enlever le sapin. J'ai enlevé les décos de mes meubles. Je vous montrerai après. Ouais, je vous reprends après pour vous montrer la déco, ce que j'ai mis sur les meubles. Bon, c'est des bambis. Hein. Ici, c'est des bambis. De l'autre côté, c'est ma fée. Un peu comme d'habitude. Et voilà. Là, je vais attendre de voir si le facteur il sonne. Et je vous montre ça. Donc, sur le meuble ici, j'ai juste remis ma fée, les deux bougies du boulot et mes deux bougeoirs. Donc là, c'est le sac avec les verrines qu'il faut que je ramène à ma belle-sœur. Voilà. J'ai mis une bougie, les deux bambis que j'avais eu dans les décos que ma mère a fait à Noël. Mon Bambi ici et celui que j'ai reçu de Maryse. Voilà. C'est trop beau. J'adore mes Bambi. Voilà, voilà. Bon, du coup, bon, je vous prends comme ça. On peut switcher deux jours. J'ai pas eu de colis, à moins que le facteur colis repasse plus tard ou que ce soit un livreur. Glisten, je me demande si c'est pas un livreur à part. Mais il n'y a pas de suivi, c'est chiant. Donc Beauty Bay c'est le facteur, mais ça sera pas pour cette semaine. Donc puis ça, de toute façon, je vous montrerai dans le hall. Voilà, donc là, on suit le jour et demain, c'est déjà le dernier jour de l'année. Alors, il est 11h50, je vous prends très tard pour clôturer ce vlog. Là, je viens de faire mon rehaussement de sourcil. Il me reste à faire mes cils, mais je les ferai après la sieste. Là, j'attends que monsieur rentre pour aller me faire une petite sieste. Ce matin, j'ai filmé les swatchs des palettes à venir pour janvier. Et j'ai fait mon teint. Je me suis dit comme ça, quand les gosses y partent, parce qu'ils sont partis pour aller chez mon frère, je suis un peu prêt quand même. Hein, hein,
Voilà, c'est mieux. Bon, après, j'ai la tête de guenuche de chez guenuche, mais... Donc, j'ai fait mon teint et tout, et j'ai eu la bonne idée de manger entre-temps. Je suis pas centrée. Et du coup, j'ai de nouveau mon estomac, donc je me suis démaquillée. Voilà. Je suis toujours patraque. Je vomis plus que rien, mais je suis toujours patraque, donc ça promet pour ce soir. Déjà qu'on va être que tous les deux, bon, on fera sortir les chichous, on aura les chiens et tout ça, mais... Enfin, les animaux, quoi. On sera que tous les deux, donc on va pas faire grand-chose à manger, puisque moi, je mange déjà quasi rien de base, mais là, en étant malade, je vais encore moins bien manger. Donc, on verra bien. Je vais regarder ce qu'il y a à la télé ce soir. J'espère qu'il y a un petit bêtisier ou un truc comme ça. Là, je suis en train de regarder un reportage sur Netflix. C'est... Attendez, je vous dis ça. Le mobile. Voilà, c'est un gosse de 14 ans qui tue ses parents, enfin toute sa famille. Sympa. Donc là, j'en suis au dernier épisode. Je vais attendre que Chéri rentre et puis je vais aller me coucher pour être un peu plus en forme ce soir et essayer de tenir quand même au moins jusqu'à minuit. Hein. On est des petits vieux, nous. Donc, bah écoutez, ce vlog aura vraiment pas été très intéressant. Hein, mais voilà, comme je vous l'ai dit, quand on est malade, je peux pas faire autrement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, du coup, parce que bon, c'est ce soir pour moi, mais vous, c'est déjà passé. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait exactement. J'ai mis un sondage sur Insta, voir si vous étiez plutôt tranquille ou bilou à la maison, télé, popote, ou si c'était fiesta. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une très, 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 très belle année 2022. Hormis ce qu'on sait qui risque d'arriver encore cette année, comme les deux dernières années. Mais passer ce cap-là, voilà, je vous souhaite quand même la santé, le bonheur, surtout bonheur, l'amour, l'argent et tout ce qui va avec, plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir passé toute cette année avec moi, à mes côtés, de m'avoir supporté, à être de plus en plus nombreux à me supporter. Dans tous les sens du terme, hein. Voilà, et pour vos pouces en l'air, vos commentaires et tout, ça me va toujours droit au cœur, voilà, j'adore échanger avec vous, toujours autant, on redémarre une nouvelle année ensemble, j'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous, que ce soit pour les vlogs, que ce soit pour les autres vidéos, et tout ça, je m'amuse toujours autant à le faire, ça me passionne toujours autant, la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est penser à YouTube. Donc, tant que c'est comme ça, ça continuera. Et puis, le jour où j'en aurai marre, eh ben, on arrêtera, tout simplement. Mais là, pour l'instant, ça me plaît toujours autant. Et j'ai vraiment l'impression d'être en famille quand je suis avec vous sur les réseaux. Donc, voilà, j'aime partager avec vous. J'aime échanger avec vous. Vous êtes vraiment merveilleux, tout autant que vous êtes. Et voilà. Donc, désolée pour ce vlog si peu fourni, si peu intéressant, dans un état pas possible. Vous m'aurez pas vu très apprêtée cette semaine, je crois. Je crois qu'il y a une fois, vous m'avez vu maquillée sur la semaine. Je me suis pas énormément maquillée en même temps. Hein, j'ai été malade 3 jours là déjà. Donc voilà. Je vous ai donné le planning de la semaine prochaine. Donc ça, c'est fait. Donc il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Voilà, pour moi, je vous retrouve l'année prochaine, du coup, vous n'aurez pas d'interruption, puisque demain, pour moi, il y a le haul Chine qui sort, et après-demain, donc, ce vlog. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est le dernier jour de l'année, c'est le dernier jour où je filme cette année, donc moi, je vous retrouve clairement l'année prochaine. Et voilà, j'espère que le contenu de l'année prochaine vous plaira tout autant que celui de cette année. Et voilà, je voulais vous dire que je vous aime énormément, que vous êtes un énorme soutien moral et tout ce qui va avec. Voilà, je vous dis, parfois sans vous, j'aurais même peut-être pas la force de me lever le matin. Et grâce à YouTube, aux vidéos, au montage, à vos commentaires et tout ça, ça me donne la force de... d'avoir envie de me lever et de faire quelque chose de ma vie. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022. Je vais vous le souhaiter encore plusieurs fois au long de la semaine, hein, mais voilà, après j'arrêterai, c'est promis. Et on se retrouve de toute façon... Ah non, pas demain. Pas demain, mercredi. Voilà, la prochaine vidéo, c'est mercredi. Je me programme 3 petits jours de repos.
Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Espérons qu'on arrive enfin aux 4000, peut-être en mi-février pour mon anniversaire. Et en attendant donc mercredi, moi je vous dis bisous bisous.